Et ben voilà, c'est lancé, le top dans 1 minute 30. Bonjour à tous, bonjour à tous, ça y est, c'est lancé, c'est lancé. Voilà, on est connecté. On a encore la chance d'avoir du réseau chez nous, parce que ce n'est pas le cas partout. Salut Céline, voilà, ça y est, c'est parti. Tu me mets le retour vidéo, s'il te plaît, Luc. Hop là. Donc, il nous reste combien de temps? Une minute, une petite minute. Pardon. Non, je vais très bien, rassurez-vous. Aurélien, hop, salut Aurélien, c'est bon, t'as tous les ballons. Impeccable. Donc Loïc, toujours à la technique derrière. Il s'occupe du retour vidéo, s'il y a besoin de bouger les lumières, puis si j'ai besoin d'aide, hein, évidemment. Donc voilà. Mais rassurez-vous, il vous fera un cours. Il vous fera un cours. Ouais, il va nous faire quelque chose. Rassurez-vous. Voilà, voilà. Ah, Audrey. Alors, bonjour tout le monde. Voilà. Donc lui, tu me confirmes. Ah, 15h, ça y est. Il est 15h, donc on va commencer dans quelques instants. Alors, vous avez dû la voir, celle-ci, là. Ce truc-là, là. C'est un truc que j'ai fait maintenant, hier, ou avant-hier, il y a deux jours. Maintenant. Ouais, ça commence à dater, mais elle tient toujours le choc. Voilà, c'était une petite fée. Et j'étais parti dans un petit délire l'année dernière. Oui, ce qu'on en fait l'année dernière. En fin de compte, j'avais créé une petite conférence pour réaliser les petites fées en ballon. Alors, il y en a qui sont venus, hein, on en a fait deux, ils sont très très bien passés. Et en rigolant, j'avais dit vous verrez le jour où elles se vengeront de ce que nous, les humains, avons fait contre la nature. Nous y voilà. Voilà, voilà. Donc, les petites fées, comme ceci, voilà. C'est une petite conférence super sympathique. Voilà, en plus, on peut l'agrémenter de plein de petites choses, de petites coccinelles de compagnie. Je vous ai déjà raconté l'histoire sur les coccinelles. Non, on ne va pas le faire aujourd'hui. On va pas le faire aujourd'hui. Donc voilà. Donc ça, à l'occasion, dès qu'il fait beau, dès qu'on a arrêté d'être enfermé, on se retrouve et puis on essaiera de faire cette petite conférence qui est une petite... sur une journée, ça peut être sympathique. Et là, vous apprendrez donc à faire les petites fées dans différentes façons. Des cheveux courts, des cheveux longs, des chignons, avec des ailes, des petits animaux, tous les petits décors qui vont ensemble. Voilà. Comme ça, fait super joli, ça fait des super petits centres de table, vraiment très très agréable. Voilà, tiens, Louis, je vais le mettre là, s'il te plaît. Hop là, je mets un peu plus loin. Donc, on va attaquer le thème d'aujourd'hui. Salut Jennifer, ça fait longtemps que je t'ai pas vu, pareil, je te fais un gros bisou, tout le monde. Salut Yves Germain, voilà, l'homme qui m'a donné mon premier cours de ballon professionnel. Et si je suis là aujourd'hui, c'est à lui qu'il faut se plaindre. Hein. Voilà, voilà. Catherine, tout le monde, voilà, on est parti. Ah, Fabrice, salut Fabrice, voilà, on est parti. Donc on avait dit le monde de la mer, bah oui, on a les vacances, c'est pas pour tout de suite, donc on va essayer de s'y plonger un petit peu. Alors ces deux grands tradis de l'animation ballon, on va rester sur une pieuvre et une tortue assez simple, hein, quelque part, enfin assez simple façon de parler, qui permet d'être réalisé assez rapidement et qui va faire vraiment le bonheur des enfants à qui vous les avez donnés, un peu comme le lapin hier. Alors on va commencer par la pieuvre, on va dire le plus facile, mais après on peut rajouter plein de trucs dessus. Voilà, on va partir sur une base simple. Qu'est-ce qu'il va nous falloir? Il va nous falloir des ballons. Alors on va prendre des 260 rouges, on va prendre un 11 pouces rouge et après on verra pour le reste. Voilà, voilà. Alors, on va les faire en quoi latex. Voilà, quand même, ça dure un peu plus longtemps, c'est beaucoup plus souple. Alors, les autres marques, on ne va pas les critiquer, elles sont bien aussi, hein, mais voilà. Là, ça, c'est du quoi latex. Alors, mon gonfleur. Et on va commencer tout de suite par les papates. Alors, je ne sais pas si on dit des pattes pour des pieuvres, je pense que oui, on dit des pattes. Des tentacules. Voilà. On va faire une première tentacule. Hop, on va laisser, mais vraiment très peu en haut. Voilà, même pas rien du tout. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'il va falloir que je le... Ceci. J'appuie bien. Hop là. Et quand je sors, ça fait un truc comme ça. Voilà, il n'y a rien d'exceptionnel. Et ça, on va le faire... Pardon. On va le faire... Hop là. Trois fois. Alors, trois fois, pourquoi? Parce que ça a combien de tentacules, pieuvre? Est-ce que quelqu'un peut répondre? Guillaume, il y a combien de tentacules sur une pieuvre? S'il te plaît. Voilà, là. Touc. Salut Marco! Hop là! On y va, on y va! Voilà, hop là! Donc j'ai fait mes trois. Comme ceci. J'appuie un peu au bout, voilà. Ça me permet voilà, d'avoir des choses un peu comme ceci. Et là, je ne vais pas le faire régulièrement. Parce qu'on sait que les pieuvres, ça peut aller dans tous les sens. Voilà, je vais simplement les regrouper comme ceci.
Et je vais tourner. Voilà. Pic. Et là, ça fait un truc immonde, mais à la limite, c'est pas trop grave. Ça, c'est la pieuvre de base. On va gonfler notre 11 pouces. Alors, on ne fait pas la bouche en ce moment. Hein. Et comme ça, ça ne fait pas de bruit avec la pompe. Voilà. On fait son petit nœud. Là, il suffit simplement de passer autour du nœud en faisant 3-4 tours. Voilà. Et là, on a déjà une belle base, une pieuvre, entre guillemets. Waouh. Qui foutrait presque la frousse. Mais elle est super sympa. Et on va lui rajouter l'élément primordial. Alors là, c'est un grand choix, c'est une grande question, c'est... Voilà. Moi, j'ai fait un choix, c'est un choix entre guillemets professionnel. C'est que je veux que mes ballons ressemblent vraiment à des choses particulières. Et puis aussi gagner du temps, n'ayons pas peur des mots. Hein. Donc, je vais utiliser des yeux imprimés, tout simplement. Alors, hop là, yeux imprimés. Allez, 1, 2, hop là. 1, 2, et voilà. Et là, je mets les yeux imprimés. Voilà, vous les trouvez chez Quatex. Ouf. Et là, j'ai deux yeux, deux pour mettre sur ma pieuvre. Et automatiquement, là, tout le monde va entièrement adhérer. Et ce qui va donner la plus-value à votre pieuvre. Tout simplement. C'est bon, Patrick. Voilà, voilà. Marc. Voilà. Donc, tout simplement. Et là, au-dessus, on a une pieuvre. Voilà. Alors, vous avez vu, trois ballons. Voilà, 260, on laisse à peine un petit centimètre et on va les tourner sur soi-même, on va les mettre ensemble, on rajoute notre 11 pouces et on a, avec les deux yeux, vraiment une pieuvre magnifique. Alors là, je n'ai fait que 6 tentacules, mais je crois que ça en a 8, hein, une pieuvre, si je dis pas de bêtises. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter 2 tentacules supplémentaires, mais en fin de compte, une tentacule va être un 260. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre notre 260. On va le tourner autour, tout simplement, sans trop serrer. On va le mettre sur le gonfleur, c'est bon, tout le monde voit, et on voit. Et c'est parti. Voilà. Et là, ça va faire un super tourne-cotis. On fait un nœud. On va refaire pareil. Et donc là, on va avoir nos 8 tentacules. Hop là. Voilà, bah on peut même les assembler ensemble, comme ça on va gagner un nœud, façon de parler. Voilà, et là on a deux tentacules un peu dans tous les sens qu'on va pouvoir rajouter ici sur notre pieuvre, comme ceci, et qui indirectement va lui donner une plus-value un peu supplémentaire. Alors, il est ici, voilà, une plus-value un peu supplémentaire, surtout si vous l'intégrez dans un décor. Voilà, voilà. En plus, ce qui est bien, c'est qu'avec ces tentacules supplémentaires, vous pouvez évidemment jouer sur les gens. Comme vous avez déjà la forme arrondie, voilà, il suffit de la mettre comme ça. Et là, vous refaites 20 milieux sous les mers, Captain Nemo en train de lutter contre la pieuvre. Sauf que c'était un calmar, mais c'est pas grave. Voilà, tout mère, personne n'a vu le film et surtout, personne ne l'a lu. Voilà, voilà, surtout de nos jours. Voilà pour notre pieuvre. Donc, réalisation assez simple. Je pense que c'est bon pour tout le monde. Il me faut la même machine pour les 260. Oui, Claire, tout à fait. Tout à fait, c'est celle-ci. Elle est magnifique, elle est super. Je ne peux plus m'en passer. Franchement, voilà. Et du fait qu'on est deux, bon, on en a acheté deux, c'est normal. Comme ça, on a chacun l'autre. Comme ça évite qu'on se batte. Oui, ça arrive. Voilà, voilà. Donc là, on a notre pieuvre. Est-ce qu'elle vous plaît? Cyril. Oui, voilà, voilà, Cyril, c'est... Cyril est parti en live. Oui, pas oui. Ah oui, oui, investissez dans ces machines-là. Attendez, vous êtes des professionnels, les amis. Voilà, voilà. Donc, notre belle petite pieuvre. Alors, la question que tout le monde me pose, hein, je le vois, oui, on peut la faire en jaune, en rose, en bleu, en violet. Vous pouvez la faire dans toutes les couleurs. La seule chose, il faut que les papates aient la même couleur que la tête-tête. Et là, automatiquement, c'est une marque de crédibilité. Ensuite, vous avez souvent dû voir sur des schémas Pinterest, voilà, qu'on utilisait des ballons de différentes couleurs, formes. Alors, je ne sais pas où c'est que je les ai mis.
Je sais que je les ai rangés quelque part. Hop, là, ils sont où, les os? Hop là, ils sont pas là. C'est pas... Non, ils sont là, c'est normal, ils sont là. Hop là, ici, je reviens. Voilà. Voilà, généralement, vous pouvez voir aussi les tortues. Généralement, on met des ballons comme ça. On appelle ces, donc, ce sont des Big Polka Dots. Voilà, ça permet de mettre des points en plus. Alors, vous verrez après, j'en ai fait un avec. Personnellement, j'ai jamais compris l'intérêt. Mais c'est une plus-value, effectivement, qui peut être sympathique. Tu vois, vu ce qui traîne dans la mer, les pieuvres aussi ont le droit d'être malades. Voilà, voilà. Donc, pour les pieuvres, c'est réglé. Maintenant qu'on a vu notre pieuvre, hop, tiens, là, tiens, Louis, je la confie. Hop là. On va attaquer un élément un peu plus lourd, façon de parler, lourd, techniquement, qui est la tortue. Alors, une tortue, qui n'aime pas les tortues? Tout le monde aime les tortues. Pour cela, on va avoir besoin, hop là, de 260. Alors, j'ai pris en vert un peu clair, voilà. 260 vert, un mocha, et surtout, on va avoir besoin de deux yeux. Alors, on va commencer par les yeux. On va mettre un, deux coups de pompe. Allez, retourne, par contre. Un, deux. On va les nouer ensemble bien serrés, comme d'habitude. Alors, je vais le faire là, mais généralement, quand vous êtes en animation, vous n'avez pas trop le temps de le faire. On va couper ça. Voilà, pour faire plus joli, pour éviter que ça traîne. On enlève donc les deux petits bouts. Ouf. Ensuite, je vais gonfler mon 260. Voilà. On va laisser un petit bout. Et je vais le raccorder. Hop là. Un nœud. Alors, n'hésitez pas à doubler vos nœuds. Hein. Alors, généralement, quand il y a les deux petits bouts comme ça, il n'y a pas besoin. Quand il y a un petit bout en bout, bah, il vaut mieux le doubler. Voilà. Ici, je vais le tendre. De façon à faire deux morceaux. Je vais revenir ici. Comme ceci. Voilà. Alors, le petit bout va venir là. C'est juste pour éviter que ça se déroule. Et je vais refaire pareil. Un morceau ici. Et je vais faire pareil ici. Un morceau là. Voilà. On est comme ceci. Et là, attention, technique. Normalement, c'est 6 mois de stage. Je vous le fais en 5 secondes. Voilà, vous mettez ça comme ceci. Voilà. Et là, j'ai une carapace. Enfin, un début de carapace. OK ? Ou un ballon de rugby, vous pouvez voir. Ouf, hop là. Ensuite, je vais prendre mon 260 vert. Voilà, je vais laisser à peu près une main au bout, comme ceci. Voilà, comme ceci, impeccable. Je fais mon nœud. Et je vais faire une tête, mais simple. Voilà, je vais simplement entourer. Regardez bien, hop là. Entourer mes yeux, comme ceci. Je ne force pas sur les yeux, voilà. Il faut quand même qu'on voit un peu de vert autour des yeux. Je tourne et je passe la boucle, enfin le bout de gonflage ici, entre eux. Et là, j'ai fait ma tête. Petit coup, une bouboule de doigts à peu près. Je reprends ma carapace. Je passe dedans, comme ça, voilà. Je passe dedans. Je fais le tour de façon à bloquer mon ballon. Ensuite, ici, je ne cherche même pas à forcer. Je pose ici, voilà, dans la longueur. Voilà, ici, juste au niveau. Et je repasse à l'intérieur, pareil, pour bloquer mon ballon. J'en profite pour cacher les petits embouts. Voilà. Là, je peux appuyer. Hop là. Et là, je vais faire la papatte arrière. Et là, je peux aller jusqu'au bout, faire hop là, comme ceci. Et je fais la deuxième papatte arrière. Voilà. On a fait une boucle, deux boucles, et on a gardé un petit boubou pour faire la petite queue, parce que les tortues ont une toute petite queue à l'arrière. Voilà. C'est bon pour tout le monde? Oui? OK. Voilà. Donc, le 260 qui va entourer les yeux, petit coup, je passe à l'intérieur, enfin je bloque ici, je passe à l'intérieur, je ne cherche pas à écarter, je pose, une bulle, deux bulles, et la petite queue. Voilà. Et maintenant, on va lui faire ses nageoires. Voilà.
Tout simplement, on va gonfler notre 260 verres, le deuxième. On va faire un nœud comme ceci. Voilà. On prend au milieu. Ensuite, le bout qui est trop long, on s'en sert pour pas que ça revienne. Et là, on va faire une petite astuce. On va le twister, mais de façon que ça a l'air d'une nageoire. Donc, je vais prendre un peu plus haut, à peu près par ici. Et je vais simplement le twister comme ceci. Voilà, pour obtenir ceci. Et là, on obtient une, n'ayez pas peur des mots, une forme de, voilà, de nageoire. Tout simplement. Alors, c'est bientôt carnaval, ça peut servir à plein d'autres trucs. Hein. C'est vous qui voyez après, pour ceux qui vont aux soirées, évidemment. Donc voilà. Maintenant, je reprends ma tortue. Je le place ici en dessous, tout simplement. Voilà. Je remonte un peu mes papates. Et mesdames, messieurs, bravo, vous avez réalisé votre première tortue. Une petite tortue toute mimi. On peut pousser le vis à rajouter deux petits points, une petite bouche. Voilà, sauf que je suis un peu parti de travers, mais c'est pas grave. Voilà. Et c'est la copine à Nemo. Voilà. Alors, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, Squeak, machin, ce que vous voulez. Donc ici, voilà, vous avez réalisé votre tortue. Alors, vous avez vu, rien d'exceptionnel. Ça reste du ballon simple, mais efficace. Voilà. Et une tortue, une petite pieuvre, tout de suite, voilà, ça fait... une belle réalisation, 3 ballons plus 2 yeux. Alors les yeux, comme je vous ai dit, moi c'était un choix professionnel que j'ai utilisé pardon, pour les yeux parce que je les voulais imprimer. Mais rien ne vous empêche de mettre des 5 pouces et de les dessiner vous-même. C'est vous qui le voyez. Mais franchement, hein, ça le fait quand même. Franchement, ça le fait. Donc voilà la tortue. Touk. Alors, bonjour Daphné. Voilà, voilà. La colombe, bah oui, la colombe, ça, on ne peut pas les empêcher de chanter, hein, surtout que depuis qu'on occupe le terrain. Donc voilà, en fin de compte, là, c'est... Donc là, on a Ella et... Ella, comment j'ai... Aretha. Et Aretha, voilà. Ella et Aretha, c'est mes deux colombes. C'est un hommage à Aretha Franklin et Ella Fitzgerald, qui sont mes chanteuses noires préférées, sauf qu'elles, elles sont blanches et elles chantent comme des... Enfin bon, c'est pas grave. Voilà, voilà. Ok, donc la tortue c'est bon pour tout le monde. De toute manière, vous avez vu que la vidéo elle reste sur la page. Là c'est bon, je suis arrivé à les télécharger. Wouh! Donc vous les aurez sur ma chaîne YouTube Balloon by Fabrice. Donc n'hésitez pas à y aller, comme ça vous pourrez tout revoir. Il n'y a aucun problème. Les yeux, je fais comme toi. Ah bah oui, bien sûr, ça c'est logique. Vous avez ça. En surtout l'avantage de cet œil, c'est que quand vous gonflez, alors là on l'a fait à la pompe, mais imaginez. Les gens, vous prenez un ballon, pouf, ils voient l'œil apparaître, waouh, c'est un impact phénoménal. C'est pas ce qui va faire oublier la sculpture, certes, parce que, mais tout de suite, vous avez créé quelque chose. Voilà, c'est important. Et lorsque vous faites vos sculptures de ballon, n'hésitez pas à parler aux gens, à faire l'animation, poser des questions, à l'air comment elle s'appelle, on essaie, voilà. Comment elle s'appelle cette tortue, par exemple, hein? Est-ce qu'on a des noms de tortue, là, vite fait? Comment elle s'appelle la tortue dans Nemo? Qui le sait, comment s'appelle la tortue dans Nemo? Ah, ben voilà. Voilà, voilà. Alors, quand on parle de tortue... Là, on a fait une tortue basique, simple. Évidemment, il existe d'autres modèles de tortues. D'autres modèles de tortues que celle-ci. C'est, par exemple, celle-là. Voilà. Ça, c'est un autre modèle de tortue, alors qui demande un peu plus de temps. C'est une tortue qui est faite à base de 350 et de 260. Voilà, voilà. Tout simplement. Alors celle-là a été fabriquée par, évidemment, hop là, là je l'ai écrit, comme ça on est tranquille. Mesdames, messieurs, voilà, n'hésitez pas. C'est donc Moshe Aftaot, voilà, qui fait. C'est dans son album de sculpture ballon numéro 6, qui s'appelle Sous la mer. Et vous allez pouvoir retrouver, évidemment, cette magnifique tortue, ainsi qu'un poisson, un hippocampe, une pieuvre. Et un dernier alarmite qui est magnifique. Donc, n'hésitez pas. Voilà, faites-vous plaisir avec ça. Voilà. Donc là, une tortue. Elle est belle. Et celle-là, évidemment, elle va pouvoir agrémenter des gros, gros, gros décors. Alors. On a les noms. Hein. Ah oui, non, mais elle est magnifique, celle-là. Et elle, alors, malgré la complexité, entre guillemets, elle est quand même assez rapide à faire. Mais c'est sûr qu'on ne pourra jamais faire des choses comme ça en animation.
imaginer la queue. Enfin voilà, c'est dans un show spectacle. Voilà, c'est des choses bien réalisées. Voilà. Alors après, c'est pareil, hein. Ça c'est joli aussi. Mais ça c'est de l'animation. Ça c'est du décor. Ou un petit spectacle interactif des enfants avec le monde sous la mer. Voilà, vous pouvez faire jouer les enfants avec ça. Et puisqu'on parle du monde sous la mer, bah, c'est l'occasion de vous donner une petite info. Alors, ça devait se passer au mois de juin, mais vu les circonstances, c'est tombé à l'eau. Au mois de septembre, il va y avoir Aquaville. Alors là, je pense que vous le voyez à l'envers, mais vous allez pouvoir retrouver toutes les infos sur ma page Facebook. C'est une comédie musicale qui est montée par des enfants, alors encadrée évidemment, qui se jouera donc au mois de septembre. Alors, c'est la seule chose que je peux vous dire, c'est un mardi au mois de septembre au Casino de Paris. Voilà, ça sera une comédie musicale et nous avons la chance avec Loïc, puis d'autres personnes, parce qu'on ne va pas pouvoir le faire tout seul, de faire tout le décor. Imaginez la scène du Casino de Paris tout en ballon. Je vous dis que ça, voilà, ça va être un gros travail énorme. On est vraiment fiers d'avoir été retenus sur cette affaire, parce qu'on n'était pas les seuls. Et ça va faire, je pense, super plaisir, parce que ça va être vraiment du travail qui va être sympa. Et puisqu'on parle de décor au fond de la mer, eh ben oui, je vous en ai fait un, évidemment. Alors, le temps de faire un peu de place, comme ceci. Hop là, on va mettre ça ici. Loïc qui va reculer la caméra. Alors attention, on a enlevé la table du salon, comme ça c'était beaucoup plus facile. Voilà. C'est bon. Voilà. Et ben, hier avec Loïc, on s'est dit, tiens, on va leur faire un beau petit décor, comme ils sont super sympas. Ils sont au rendez-vous tous les jours. Voilà. On est bon là? Et ben, ça tombe bien, on va rajouter la tortue. Hop là, deux mochets. Avec. Voilà. Alors, attends, non, je vais la réorienter, Loïc. Voilà. Et ben voilà. Oui, alors Aquaville, c'est tombé dans l'eau. C'est tombé à l'eau. Non, c'est. Oui, enfin, c'est reporté en ces temps, c'est pas tombé à l'eau. Donc voilà. Et donc, on a fait ce petit décor. Alors, on va pouvoir trouver plein de petits détails qui sont intéressants, évidemment. Notre pieuvre ici, alors vous avez bien vu, je l'ai fait avec un polka dots. Ensuite, ici, on a notre anémone avec un petit Nemo. Voilà. Un petit Nemo, tout simplement. Donc, comme tout le monde le sait, les Nemo, ça vit dans les anémones. On a fait une étoile de mer. Alors, l'étoile de mer, c'est fait en 321. Alors, le 321, c'est un ballon un peu particulier, voilà, qui est un peu en long fusoïdal. Donc, quand on le gonfle, ça donne ça. On a fait des petits galets avec des agates. Où dedans, on a gonflé un 260. On a laissé tout dégonfler pour faire ces petits galets-là. Je pense qu'on les voit. Et puis voilà, et puis la méduse transparente, évidemment, puisqu'il faut bien donner à manger à tout ce monde. Voilà. Alors, vous allez pouvoir retrouver cette vidéo, évidemment, sur ma page Facebook. Alors, YouTube, dès qu'on a un peu de réseau, parce qu'il va falloir transférer tout ça, du fait que tous les sales gosses sont à la maison et donc ils sont constamment en train de jouer sur leur jeu plutôt que de faire des devoirs. Donc, on est un peu saturé. Donc, on va passer en 4G directement pour trouver la solution. On se retrouve, j'ai pas fini, hein, mais je vous dis juste tout de suite parce que ça me passe dans la tête. On se retrouve dans 2 jours, donc dans 2 jours, on sera vendredi. Vendredi, alors on fera une pause pour le week-end, on verra après pour la semaine prochaine. Le thème, on va rester sur de l'animation ballon simple. Je vous propose une petite licorne, ça vous va une petite licorne? Ouais, je pense qu'une petite licorne ça va vous faire sympa. Et le deuxième ballon, je sais pas encore, on verra bien. Ah, c'est mon pote Abdel. Merci Abdel. Alors Abdel, c'est le responsable Domino's de la région. Et il me dit que le mur qu'on a mis il y a 15 jours est toujours en place et qu'il n'a pas bougé. Donc c'est super. Top qualité. Voilà. Donc, je vous propose, on va faire la licorne. J'ai trouvé, on va trouver quelque chose. N'hésitez pas en MP de m'envoyer pareil des questions, des souhaits. Tant que c'est positif, tout va bien. Ça l'est pour l'instant, donc on ne va pas se plaindre. Pareil, et surtout, envoyez-moi vos réalisations. Donc, n'hésitez pas à revoir la vidéo pour la tortue, la pieuvre. Vous avez vu ces deux objets, enfin deux personnages assez simples à faire. Et puis, ben, écoutez, moi, je vous dis bonne journée. Merci encore à Loïc pour la technique. Merci à tous d'être là, parce que là, je vois qu'aujourd'hui, il y a vraiment du monde. Ça fait vraiment plaisir. Et puis, ben, prenez soin de vous, protégez-vous. Alors, je pense qu'à vous, c'est pas la peine de vous le dire, mais dites-le à vos voisins. Arrêtez-moi, lâchez-moi tous les jours.
J'ai l'impression que les gens ils courent à 5, 6, ils sont en vélo. Voilà, non, c'est plus possible. Il faut que bah, tout ça, ça reparte. Hein, mais bon, là, je viens d'écouter Bruno Le Maire juste avant. Je ne suis pas rassuré. Voilà, allez, très bon après-midi à vous. Je vous embrasse très fort. Et à bientôt, à dans 2 jours.